sergents et lieutenants qui venez de choisir l'arme des tours de marine. Aujourd'hui, entouré de vos anciens, j'ai l'honneur de vous accueillir dans la grande famille coloniale qui est à présent la vôtre. La symbolique de cette grande cérémonie et de son cadre, le quartier du 21e de marine, j'en suis convaincu, ne sera pas sans étayer votre réflexion et vous comporter dans votre libre choix de porter l'encre d'or. En effet, cette journée célèbre le bicentenaire des batailles napoléoniennes de Lutzen et de Hanau, où les artilleurs de la marine, nos fiers bigorres, déployés dans l'urgence en bataillon de marche, à la baïonnette, ont inscrit sur les trois couleurs de nos emblèmes les premières lettres de l'héroïsme et de l'abnégation qui caractérisent notre arme dans l'histoire militaire française. Elle commémore aussi les combats de Bazaine, combat fondateur et fédérateur de l'esprit de l'arme et de sa cohésion, dont la seule évocation résume les valeurs fondamentales que vous devez à présent faire vôtres dans l'accomplissement de vos futures missions. Vous êtes rassemblés devant la statue équestre du maréchal Gallieni, héroïque marsouin combattant de Bazaine, grand chef militaire, fin négociateur, grand pacificateur de Madagascar et initiateur des célèbres taxis de la marine. Inspirez-vous de son exceptionnel exemple de courage, d'intelligence de situation, d'esprit d'initiative et d'ouverture d'esprit pour assurer avec honneur et efficacité vos futures responsabilités de chef. Vous êtes accueillis au camp Lecoq, du nom d'un de nos héroïques anciens, grand biarriste, qui en Indochine, le 10 mars 1945, lors du coup de force japonais, a fait le sacrifice de sa vie pour l'exécution de sa mission de dégager les cartes d'armes assaillies par l'ennemi dans le poste de Haïkolo. Méditez cet exemple de don de soi pour affermir votre sens du devoir de chef lorsque les circonstances l'exigeront. Vous êtes encadré par 15 drapeaux et étendards de vos futurs régiments en métropole et outre-mer. Ils portent, brodés dans leurs plis, notre histoire à travers l'épopée sur tous les continents, des troupes de marine, des troupes de la marine, des troupes coloniales. Cet héritage, notre héritage, est à présent aussi le vôtre. Soyez-en intimement conscient, montrez-vous-en digne pour le faire vivre et l'enrichir de vos actions. Soyez demain dans vos régiments la fierté de vos anciens et la référence de ceux que vous commanderez ou qui vous succéderont. Aujourd'hui, vous êtes l'avenir de notre arme, une arme qui a donné tant des siens sur tous les continents pour la défense et la grandeur de notre pays, une arme qui n'a jamais manqué un rendez-vous avec notre histoire, comme ce fut encore le cas dernièrement au Mali, où des unités de 9 sur 12 de nos régiments de métropole furent engagées au plus fort de l'opération Serval. Le général Rakhmatou, le chef d'état-major de l'armée de terre qui nous fait l'honneur de présider cette cérémonie, vous regarde avec confiance, et j'en suis sûr, avec une certaine fierté, car il sait, comme tous ceux qui l'ont précédé, qu'en dépit des décisions difficiles qui s'annoncent pour les troupes de marine, qu'il pourra toujours compter sur la valeur opérationnelle de nos régiments, sur leur exceptionnel esprit de corps, sur leur précieuse expertise de l'outre-mer, mais aussi et surtout sur vous et les hommes que vous commanderez, pour le rayonnement de l'armée de terre, pour le succès des armes de la France, mais aussi pour qu'au nom de Dieu, vive la coloniale. Fermez le banc. Repos. Parmi tous les faits d'armes glorieux au cours desquels nos régiments se sont illustrés, celui de Bazaï s'est imposé aux troupes de marine comme le symbole de tous les héroïsmes et de l'exemple à suivre au combat. La cérémonie va se poursuivre par le récit des combats de que Marsouin et Bigorre ont livré dans le village de Bazaï, près de Sedan, les 31 août et 1er septembre 1870. Cette lecture sera suivie d'une minute de silence en hommage aux Marsouin et Bigorre, tombés au champ d'honneur depuis la création de l'arme et jusqu'aux opérations les plus récentes. Nous penserons tout particulièrement à nos frères d'armes qui nous ont quittés cette année, que ce soit en métropole ou aux confins du monde en Outre-mer.
L'hymne de l'infanterie de marine conclura cette séquence. Nous vous invitons à vous lever pour vous associer à cette image. Gardez-vous! Marsouins et Bigorre sont groupés dans une même division, la division de marine. Surnommée la division bleue, elle est commandée par le général de Vassois. Le 31 août, la division de marine reçoit l'ordre de reprendre le village de Bazeille dont l'ennemi vient de s'emparer. La 2e brigade du général Martin Despalières, composée des 2e et 3e régiments d'infanterie de marine, ainsi que du 1er régiment d'artillerie de marine, lance son attaque et mène un combat acharné dans le village. Elle est bientôt soutenue par la 1ère brigade du général Reboul, formée par les 1er et 4e régiments d'infanterie de marine. À la tombée de la nuit, Bazeille est entièrement repris. Dès l'aube du 1er septembre, le 4e corps d'armée bavarois contre-attaque, appuyé par une puissante artillerie. Commence alors une lutte farouche, rue par rue, maison par maison. Se battant à 1 contre 10, éprouvé par la chaleur et par la soif, la gorge brûlée par la fumée des incendies, écrasé sous les obus, les marsouins vont à 2 reprises chasser l'ennemi du village. Tous témoignent de la même ardeur, du même mépris de la mort. Mais vers 16h, les munitions manquent et les défenseurs sont submergés par le flot de l'ennemi. Quelques officiers et une 30aine de soldats, dont la plupart sont blessés, se retranchent alors dans une auberge, la maison Bourgerie. Pendant 4 heures, ils arrêtent la progression des assaillants et ne succombent qu'à bout de munitions. Telle est la glorieuse épopée de la division bleue qui lutta jusqu'à la dernière cartouche et compta, au cours de ces 2 tragiques journées, 2600 tués dans ses rangs. 40 Bazeillais trouvèrent également la mort au cours des combats. Présenté. Oh! Thank you.
poitrine, le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat.